Cher journal, tu te souviens du prince Ali? Eh bien, devine quoi? Il est de passage à Paris cette semaine et il a invité Rose à aller manger une glace chez André. Allons-y avant que mon chaperon ne retrouve moi. Elle était vraiment trop contente quand elle nous a raconté ça. Tu te rends compte de la chance qu'elle a? Imagine si Adrien me proposait d'aller manger une glace avec lui chez André, le glacier des amoureux. Je crois que je m'évanouirais sur place. Mais bon, faut bien reconnaître que Rose, elle, est capable de dire ce qu'elle ressent au garçon qu'elle aime. Et je voulais juste vous dire que vous êtes la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. C'est vrai? Peut-être que je devrais lui demander conseil pour parler à Adrien. Elle sait y faire avec les mots. C'est elle qui écrit les paroles pour Kitty Section, le groupe que les copains ont formé ensemble. C'est aussi la chanteuse. Et le moins qu'on puisse dire... Vous allez en avoir besoin, croyez-moi. C'est que ça décoiffe. Jellico! Mais je sais! Peut-être que Rose pourrait m'aider à écrire les paroles d'une chanson super romantique que Kitty Section jouerait devant Adrien! Et comme ça, il comprendrait enfin ce que je ressens pour lui! Il tomberait fou amoureux de moi et on achèterait une grande maison où on vivrait avec un chien et un hamster qui s'appellerait... Oh! T'as vu l'heure? Je file la chercher pour qu'on s'y mette tout de suite! À bientôt, cher journal!